Nous sommes le mardi 7 septembre 2021. Ce fut un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de TV Plus Madagascar. Je vous invite à le suivre jusqu'à la fin. Et maintenant, voici nos titres. Tous les magistrats et aux responsables auprès des juridictions et des cours de justice seront soumis à une évaluation de performance en début de période de vacances judiciaires prévue le 15 décembre prochain. Un accrochage entre Daalf et forces de l'ordre est survenu le vendredi 3 décembre au Garanjoplan Fuktanabarmanta dans la commune de Mourafemboan, à Mavetanan. Un affrontement qui s'est soldé par le décès de 3 Daalf avec des blessés dont 5 Daalf et un gendarme. La députée élue dans le 2e arrondissement condamne l'acte délibéré des étudiants de l'université d'Ancas de démolir les infrastructures publiques. Le gouvernement éthiopien a affirmé lundi avoir repris les villes stratégiques de Dessi et de Kambodcha dans le nord du pays, plus d'un mois après que les rebelles tigréens du PLF ont revendiqué s'en être emparés. À la une de l'actualité, tous les magistrats et hauts responsables auprès des juridictions et des cours de justice seront soumis à une évaluation de performance en début de période de vacances judiciaires prévue le 15 décembre prochain. Le Conseil supérieur de la magistrature, CSM, tiendra ensuite une réunion afin de fixer les décisions à prendre à l'issue de cette évaluation, annonce le garde des Sceaux. Des bilans sur les mesures de réforme de la justice élaborées durant ces 3 derniers mois seront communiqués d'ici mi-décembre, toujours selon le ministre. Les détails avec Fanjessena Enamanakasne et Eric Renefsan. Une évaluation des magistrats, des chefs de juridiction et des chefs des cours auprès du ministère de la Justice sera prévue prochainement. S'en suivra une réunion du Conseil supérieur de la magistrature prévue à partir du 15 au 17 décembre à condition d'être autorisée, annonce le ministre de la Justice, Imbi Kirlaz. Le bon fonctionnement du système judiciaire dépend en partie des magistrats, raison de la tenue de cette évaluation. La nomination des chefs de cour et des juridictions sera aussi désormais basée sur ce critère d'évaluation et aura lieu tous les 6 mois. Des notes individuelles seront attribuées à chaque magistrat après l'évaluation. À part cela, le ministre d'avancer qu'après 3 mois de prise de fonction, le bilan de travail abattu jusque-là seront communiqués d'ici mi-décembre. À ne citer que le projet de ratio 70-30, où 70% des détenus jugés contre 100% en attente de jugement. Jusqu'à aujourd'hui, seulement quelques prisons ont réussi à atteindre cet objectif, dont la maison centrale d'Ambanz, qui a atteint 83% des détenus jugés contre 17% des prévenus. En ce qui concerne les vacances judiciaires qui durent 1 mois, le service minimum est de rigueur pour tous les tribunaux, toujours d'après. Et pour continuer, un accrochage entre Daalf et forces de l'ordre est survenu le vendredi 3 décembre au Garanjoplan, Fuktanjitambarmanta, dans la commune de Mourafemboan, Maivatanan. Un affrontement qui s'est soldé par le décès de 3 Daalf avec des blessés dont 5 Daalf et un gendarme. Des éléments des forces de l'ordre se sont en effet engagés à la poursuite de ces Daalf pour sauver 2 personnes victimes d'enlèvement en Salave, toujours dans cette commune quelques jours auparavant. Malgré cet affrontement meurtrier, les 2 otages ont pu être sauvés face à la recrudescence, mais surtout à la violence des actes de banditisme. Le commandant de la gendarmerie de mentionner que les formations stratégiques et tactiques seront renforcées pour tous les éléments de la gendarmerie. Les détails avec Mamtina Djemboul et Omega Nelson. 2 personnes ont été victimes d'enlèvement dans le Fuktan d'Antsalava dans la commune rurale de Mourafemboan, district de Maivatanan, le 28 novembre 2021. Des bandits armés ont en effet attaqué le village et n'ont pas été satisfaits de leur butin. Ils ont donc procédé au kidnapping de ces 2 individus pour espérer en tirer plus d'argent. Les forces de l'ordre ont donc enclenché les poursuites suite au plan des familles et de la population. Ainsi, un accrochage a eu lieu la nuit du 3 décembre 2021 au lieu dit de Garanjoplan au Fuktan Tambarmant dans la commune rurale de Mourafemboan dans le district de Maivatanan.
Suite à l'accrochage, un des otages a pu prendre la fuite et a été recueilli par les éléments poursuivants. Cependant, durant les échanges de tirs, un gendarme a été touché par balle au fémur droit. Il a été évacué d'urgence à Antananarivo, tandis que 3 Dahal ont été mis hors d'état de nuire et 5 autres blessés. Malgré cet affrontement meurtrier, les éléments de la gendarmerie n'ont pas baissé les bras et ont continué leur poursuite d'après les précisions. Ainsi, dans la soirée du 5 décembre 2021, dans un lieu dit un Doualambe, lorsque les Dahal ont aperçu les forces de l'ordre, ils se sont enfuis, réduits par l'offensive menée le vendredi soir. Ils ont donc pris la fuite dans des directions différentes. Profitant de cette situation, l'autre victime a pu s'échapper et a rejoint les forces de l'ordre. Toutefois, des éléments sont déjà à pied d'œuvre pour attisser les zones susceptibles de servir de cache ou de repli pour ces malfaiteurs. Au vu de tout cela, le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale de mentionner que la restauration de la sécurité est une priorité. En effet, l'insécurité est un frein au développement, ce qui nécessite des interventions rapides. Ainsi, le renforcement des formations stratégiques et tactiques est à implémenter, précise le commandant de la gendarmerie nationale. Le professionnalisme est de mise, a-t-il souligné, dans la mesure où les Dahal deviennent de plus en plus violents actuellement et détiennent des armes de guerre. Le gendarme blessé dans cet accrochage a été primé par la gendarmerie nationale ce jour. Et pour continuer, la députée élue dans le 2e arrondissement condamne l'acte délibéré des étudiants de l'université d'Ankatz de démolir les infrastructures publiques. Une application stricte de la loi devrait se faire à l'encontre de tous ceux qui s'avéreront impliqués dans cette affaire, suite aux preuves que les responsables ont déjà en leur possession d'après les explications. La députée de dire qu'il est vrai que les étudiants peuvent ne pas être satisfaits de la situation actuelle suite aux difficultés qu'ils rencontrent. Mais le vandalisme n'est pas une solution et les assainissements sont déjà en cours. Narijatin Hefecha Anjia Mananzar. Le problème des étudiants de l'université d'Ankatsu n'est toujours pas résolu jusqu'à présent. En effet, ils revendiquent le rétablissement de l'accès à l'eau potable de la Jirama, qui connaît une coupure incessante, raison de leur manifestation. Descente dans les rues, banderoles brandies, jusqu'à certains qui ont même détérioré les infrastructures mises en place pour la distribution de l'eau sur place. Une situation que la députée du 2e arrondissement d'Antananarivo condamne fermement. Elle de dire que l'insatisfaction de ces étudiants est bien compréhensible en tenant compte des difficultés qu'ils traversent, mais que l'État fait déjà son possible pour mettre en place des équipements nécessaires pour l'approvisionnement en eau dans cette localité. La députée du 2e arrondissement de continuer que la digitalisation de la liste des étudiants et des enseignants ainsi que la digitalisation des logements des étudiants sont aussi déjà en cours afin de permettre la répartition équitable des logements à chaque étudiant qui en a réellement besoin. Dans la page de l'actualité sportive, la discipline de golf est un moyen d'attraction de nombreux touristes et visiteurs et peut donc constituer un levier de développement pour le pays. D'abord, mis en suspension pendant la période de l'épidémie de Covid-19, les tournois reprennent désormais, dont le prochain sera le championnat de Madagascar de golf 2021, organisé par la fédération. La pandémie n'a pas empêché les golfeurs de s'entraîner, selon un compétiteur qui affirme être prêt pour le championnat, qui se déroulera ainsi du 16 au 19 décembre 2021 au golf du Rouvre à Dakar. Les tournois de golf ont dû être suspendus lors de la période de crise sanitaire. La fédération d'annoncer fièrement la reprise des compétitions dans la mesure où cette discipline sportive constitue également un enjeu considérable dans le développement du pays, notamment à travers le tourisme. Ainsi, le prochain concours sera le championnat de Madagascar de golf qui prévoit deux catégories, à savoir professionnels et amateurs. Jusqu'à présent, 80 participants sont inscrits pour la catégorie amateur et 60 dans la catégorie professionnelle. Le nombre de participants n'est pas limité et les inscriptions seront clôturées pour mardi 14 décembre.
un compétiteur d'annoncer sa motivation en vue de ce championnat et d'affirmer que l'existence de la Covid-19 n'a pas empêché les golfeurs de travailler leur précision. Le championnat de golf de Madagascar se déroulera du 16 au 19 décembre 2021 au golfe du Rouv Andakan. Le groupe TV+ Madagascar s'inscrit comme partenaire de l'événement. Revenons maintenant dans la page politique. La formation du nouveau bureau permanent de la CENI confirme encore et une fois de plus l'inutilité de cette institution selon toi, Fnara Lamboumaï. En effet, cette nouvelle formation ne peut faire preuve d'indépendance ni de neutralité. Les membres ne pourront pas non plus clamer ou exprimer les imperfections de ce système selon l'opposition. Toi, Fnara Lamboumaï, réclame ainsi la démission de ses membres de la CENI. Sibella Rajemazav et Fetchenge. Aujourd'hui même, la CENI est au grand complet, ils ont fait un rapport et il ressort encore que cette CENI devrait faire les élections régionales, provinciales, mais aussi refaire les élections des municipales qui n'ont pas été faites ou qui ne se sont pas tenues. Et cette fois encore, ils vont dire, les membres vont dire, ah, ce n'est pas de notre pouvoir, c'est le gouvernement qui convoque. Mais alors dans ce cas-là, à quoi sert la CENI s'ils n'ont même pas ce pouvoir-là? Deuxièmement, la CENI aujourd'hui même a développé les lois qui n'allaient pas et qui devaient être remplacées. Eh bien, si ces membres disent encore demain qu'ils travaillent la mort dans l'âme parce que les lois ne peuvent pas être changées, il vaut mieux pour eux de démissionner parce qu'ils travaillent donc dans des lois qu'ils trouvent non adaptées à la situation malgache. Troisièmement, la CENI aujourd'hui même dit qu'il faut réaffecter le budget, il faut beaucoup plus de budget. Et encore une fois, si vraiment le budget alloué à la CENI n'est pas suffisant, les membres devraient démissionner et non pas rester en place en se plaignant de ne pas avoir de budget. En résumé, la CENI, au final, c'est vraiment inutile, il faut vraiment la supprimer. Et pour continuer, le trafic de personnes et le crypto-monnaie, ainsi que les informations mal fondées, sont des fléaux dévastateurs dans plusieurs pays. Tel est l'un des principaux débats évoqués lors du 20e forum des parlementaires à Washington, rapporte le vice-président du Sénat de Madagascar, Nicolas Rabé-Manazar. Ces problèmes sont la cause de nombreux actes d'insécurité dans de nombreuses nations et constituent encore d'énormes enjeux pour le développement de ces pays. Nicolas Rabé-Manazar, vice-président du Sénat de Madagascar, qui avait été précédemment reçu et briefé par la chargée d'affaires Nirignavsou Marcela Amiel et le conseiller en charge de la coopération sectorielle Pilaza Sakorian Adogi, la veille Zoura Bardon. À l'issue du 20e forum des parlementaires sur la sécurité et le renseignement à Washington, le vice-président du Sénat de Madagascar, Nicolas Rabé-Manazar, a de dire que ce forum est une grande expérience pour lui d'apprendre sur la situation des autres pays du monde, également en proie aux problèmes tiers et à des fléaux dévastateurs. Les experts ont évoqué que le crypto-monnaie ou l'introduction de monnaie étrangère dans un autre pays, ainsi que le trafic de personnes, et les fausses informations constituent des obstacles qui peuvent conduire au déclin d'un pays. Lors de ce forum, plusieurs sujets ont été évoqués, à savoir le renforcement de la coopération parlementaire entre pays transcontinentaux ou encore des procédures en vue d'une meilleure compréhension des menaces globales et des réponses appropriées à mettre en place afin d'y faire face. Le représentant de Madagascar avait également plaidé pour une mise en place d'une plateforme de coopération parlementaire entre Madagascar et les États-Unis afin d'explorer les domaines de coopération, que ce soit en termes d'élaboration de lois que de convergence de vues sur des thématiques d'intérêt pour les deux parties. Cette coopération parlementaire entre les États-Unis et Madagascar permettrait de sensibiliser les sénateurs malagasy sur les nouveaux enjeux transfrontaliers que ce sont la traite humaine et l'évasion fiscale. Un renforcement des capacités du Sénat de Madagascar pour la compréhension des menaces et de la manifestation des crimes transnationaux ainsi que dans l'élaboration de projets de loi pour lutter contre les méfaits de celles-ci sur la sécurité nationale et internationale devrait être implémenté. Le 20e forum des parlementaires sur le renseignement et la sécurité a pris fin hier même à Washington.
Et pour terminer, le gouvernement éthiopien a affirmé lundi avoir repris les villes stratégiques de Dessi et de Kombolcha dans le nord du pays, plus d'un mois après que les rebelles tigréens du TPLF ont revendiqué s'en être emparés. Ceux-ci assurent s'être retirés en suivant leur propre plan, mais ils semblent bien perdre du terrain ces derniers jours face à l'armée éthiopienne. Les détails avec France 24. Le leader du TPLF, Getachew Reda, a assuré lundi soir sur Twitter que le retrait des forces tigréennes des villes comme Dessié, Kombolcha et d'autres zones dans la région Amhara était planifié et non forcé. Le TPLF, hein, qui avait reconnu déjà des réajustements dits tactiques pour minimiser la vulnérabilité des troupes tigréennes, mais le gouvernement éthiopien, de son côté, assure que ce sont bien des victoires militaires de l'armée qui ont conduit à ce nouveau rapport de force. Réajustement stratégique ou non, en tout cas l'armée tigréenne semble en difficulté. Au cours des derniers jours, l'armée gouvernementale et ses alliés ont pu avancer considérablement dans les régions Amhara et Afar. La semaine dernière, le gouvernement a pu reprendre le contrôle notamment de la ville de Lalibela, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui avait été sous contrôle tigréen depuis plusieurs mois. En contrôlant des villes stratégiques comme Dessié et Kombolcha, les forces tigréennes avaient pu non seulement menacer de descendre vers la capitale éthiopienne Addis Abeba, mais avaient aussi pu ouvrir des lignes d'approvisionnement depuis la région Amhara vers le Tigré, une situation qui a manifestement changé et une prise d'Addis Abeba qui semble pour l'instant abandonnée ou en tout cas repoussée. Ceci clôt notre édition. Merci de votre fidélité. À très bientôt.